Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler succession. C'est vrai que on n'a pas l'habitude de rentrer dans des lits des gens, non plus dans les maisons des gens, ou dans leur domicile ou dans leur résidence, mais quand les intérêts sont menacés, que lorsque l'injustice veut finalement s'établir, il est important de sonner, de demander aux gens d'alerter pour dire lorsqu'une injustice est faite et que l'on s'est tait, ça veut dire qu'on a participé à sa réalisation. Mais je reçois aujourd'hui une dame, elle est représentante d'une succession, c'est avec elle qu'on va parler de ce qui leur arrive aujourd'hui, parce que souvenez-vous, dans une des émissions, on a parlé que parmi les plus grands conflits qu'on a dans ce pays, c'est aussi le conflit des successions, où certaines personnes, parce qu'ils sont du deuxième lit, troisième, quatrième lit, sont méprisées, on ne les considère pas, on estime qu'ils n'ont pas droit au chapitre et tout le reste. Mais non, aujourd'hui, il est important d'en parler quand même. Et là, je reçois Madame Tokwaulu Wendarama, qui est la fille de Monsieur Tokwaulu Batale Emmanuel, décédé, et de Madame Bodi Mabialapolina. Quand papa est décédé, papa a laissé certainement des biens. Mais comme vous le savez, en Afrique et au Congo, on a toujours deux, trois lits. Et puis, elle se retrouve dans je dirais, dans la lignée du deuxième lit. Et aujourd'hui, elle se sent victimisée, un peu dérangée. Voilà pourquoi elle a décidé, depuis un certain temps, de saisir le média. Et Congo Buzz a été donc choisi. Je ne peux rien d'autre que de lui accorder la parole. Avec elle, elle va nous expliquer, au fait, comment ça s'est passé, jusqu'où ils sont, à quel niveau ils sont aujourd'hui, et qu'est-ce qu'ils attendent finalement de ce jugement. Madame Tokwaulu, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, c'est vrai que le média n'est pas votre affaire, c'est pas vraiment ce que vous, au départ, c'est pas votre choix, mais si vous y arrivez, c'est parce qu'à un moment donné, vous n'avez plus d'issue, il faudrait en parler. Exactement. Vous êtes la fille de Monsieur Tokwaulu, le nom que l'on entend très souvent, vous êtes sa fille. D'accord. Et vous êtes un homme de combien au total? D'accord, donc comme vous m'avez présenté, je suis Tokolo Wendarama. Je suis la fille du feu ambassadeur Tokwaulu Batale. Donc, nous sommes au nombre de 9 enfants. Donc, il faut savoir que là, je parle d'une succession de lits. Donc, il y a d'abord le lit de Bangala Balimanga, feu Madame Bangala Balimanga. Ensuite, il y a le lit de Madame Bodi Mabiala, On vit aujourd'hui. en vie, Très oui. bien. Alors, aujourd'hui, les lits de le premier lit a combien d'enfants? 2 enfants. Donc il y a Madame Tokolo Boseka et il y a Madame Tokolo Aina Bernadette. Ah, Madame Bernadette Tokwaulu, donc Exactement. la directrice de la SNEL, si je ne me trompe pas. Oui, l'ancienne L'ancienne directrice. Elle a été directrice. directe DG, quelque chose. ADGA, oui. ADGA, très bien. Et vous êtes nombre de combien le On deuxième est au lit? nombre de 7. De 7. Voilà. D'accord. Et lorsque votre père décède, vous avez quel âge? 2 ans. Aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'il est Ça parti? fait 36 ans. 36 ans qu'il est parti. Exactement. Et donc, vous n'en savez pas beaucoup de votre père, mais c'est par transmission. Vos mamans a dit, les grands frères ont dit, et tout ça. Oui, exactement. Bon, j'avais 2 ans, donc j'ai pas de souvenir de papa. Le peu que je sais, c'est de ce qu'on me raconte. Mais bon, est-il que ce qui est question de la succession, ben, les papiers parlent. Donc, Très bien. voilà. Mais votre aîné a quel âge aujourd'hui? Notre aîné a 48 ans. Ok, donc lui, il maîtrise la situation, il connaît comment ça s'est passé. Exactement, Très bien. oui. Votre père a laissé combien de biens, de façon globale et générale? Bon, on va dire, il y a plusieurs biens immobiliers, donc on va compter environ, on va dire, 5 à 6. 5 à 6. Ouais. Et est-ce que c'est tous les biens qui posent problème ou il n'y a qu'une partie des biens qui posent problème? Donc, si je peux essayer de vous brosser une petite historique, ça vous Allez-y. permettrait de comprendre. Allez-y, madame. Donc, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs biens qui ont été, comment dire, laissés par papa. Donc, à savoir, il y a cette parcelle de Limété, mais il y avait d'autres biens qui malheureusement ont été spoliés par notre sœur et sa maman. Donc, il faut savoir qu'au décès de notre père, la succession a été ouverte comme il se fait partout. Et il y a eu une gestion. Il y a eu une gestion du petit frère de papa.
Donc, à l'issue de cela, notre sœur, se sentant capable de faire la gestion des biens, va saisir le tribunal pour demander au tribunal de lui accorder la gestion puisqu'elle était déjà majeure à l'époque, chose qui lui a été accordée depuis 1989. Donc, on va ravir au frère de votre père qui, selon vous, gérait bien déjà les choses. Bon, il gérait équitablement, il était bien. Comme je le dis, il y a à boire et à manger sur le sujet. Notre feu oncle n'est pas là aujourd'hui pour se défendre. Ouais. Donc je ne vais pas entrer très bien, dans ça ce sert débat. À rien parce qu'on va faire un procès du avec tout. Un mort. Du tout. Ça sert à rien. Et du donc tout. Vous dites qu'il y a certaines de vos biens à tous d'ailleurs que votre sœur a vendu. Oui, oui. Sans vous consulter. Du tout. Pas votre mère, aucun des enfants. Aucun des enfants, donc je continue. Donc la succession, comment dire, sous sa gestion, donc elle a eu à gérer les biens qu'elle a eu à gérer. Et nous avons toujours déploré et décrié sa gestion qui n'était pas transparente, puisque nous ne recevions pas des fruits de tout ce qui était lié à cette succession. Donc, on va dire, les biens qu'elle a vendus, vous n'avez perçu aucun franc. Aucun franc. Vous dites zéro franc. Aucun franc, je le dis et je le certifie. Je pense que si elle voit les vidéos, elle sera d'accord avec Mais moi. Mais pourquoi vous n'avez jamais attaqué, bien attaqué sûr. Les biens en vente? Ah, pardon, oui, attaqué ces biens-là. On est devant les cours et tribunaux depuis les années 80. Donc, pour dénoncer une gestion non transparente. Parce que le tribunal qui l'avait désigné comme étant la gérante, on va dire curatrice, lui avait donné comme tâche de gérer les biens dans l'intérêt de tous les enfants. Donc, chose qui n'a jamais été faite parce qu'il n'y a aucun document de gestion de la période où elle a reçu, cette gestion-là, à ce jour, c'est des documents que nous n'avons pas. Donc, nous avons essayé tant bien que mal de pouvoir essayer de trouver une solution devant les cours et tribunaux, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était une personne qui était bien placée dans le PPRD, etc. Et c'était quelqu'un qui usait de cette stature pour pouvoir instrumentaliser la justice. Donc, voilà. Et vous pensez qu'elle a utilisé, elle a usé de son poids bien politique sûr, sûr. Pour vous empêcher d'entrer bien dans vos droits. Bien sûr, ça a joué et on se retrouve dans cette situation que moi je suis venue dénoncer, à savoir. Il faut savoir que, sa maman et notre père se sont mariés, légalement, et comme tout mariage qui ne marche pas, il y a un divorce. Sa maman ne se présentait pas au tribunal, et à l'issue des deux années qui sont passées, le tribunal a fait un jugement par défaut, parce qu'elle ne se présentait pas. Et à l'issue de ce divorce, il y a certains biens qui lui ont été octroyés, cédés par papa, vu que même le mariage était sous séparation des biens, mais c'est bien stipulé que malgré cela, il le fait parce qu'elle reste la mère de ses enfants. Donc ces biens-là se retrouvent dans son patrimoine. Et après, il se mariera avec notre maman. Donc il se fait qu'à la mort de papa, au moins... Légalement aussi? Oui, oui, légalement. C'était un mariage coutumier monogamique. J'ai même les documents que je vais vous présenter. Donc, il se fait qu'à la mort de papa, je pense 2 ans ou 1 an et demi après, la maman de notre sœur va faire une opposition post-mortem pour dire qu'elle n'est pas au courant de cette décision de justice et qu'elle n'a jamais été notifiée. C'est de là d'où sort le problème parce qu'il y a intention de vouloir se faire prévaloir du titre de la veuve pour hériter des 50%. Le nœud du problème, c'est d'abord ça. Ensuite, je vous ai dit qu'on a tout essayé, on a fait de notre mieux, mais malheureusement, on a toujours été bloqué, on a toujours été, malmené par la justice. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a grandi avec, on a vécu avec, on a connu que ça. D'accord. Donc là, actuellement, il y a 4 ans, nous sommes allés devant la cour d'appel et nous avons présenté le cas à la cour d'appel. Et cette cour a vu que oui, bon, il y a manifestement pas entente dans la succession. Et là, on parle principalement, de l'avant-dernier bien qui reste. Donc la parcelle familiale où vit maman, où je vis avec elle, où nous avons grandi, où notre père nous a laissés. Donc nous avons, je tiens à souligner que nous n'avons jamais été inquiétés. Jamais.
Donc, on saisit la cour d'appel et la C'est où cour la parcelle? a limité, c'est une concession à la 13e rue. D'accord. Voilà. Donc, il se fait que, comment dire, le juge, à l'issue de toutes nos revendications, va, comment dire, un arrêt va en sortir, comme quoi le bien peut être vendu, mais madame, faites une reddition de compte à vos frères qui, comment dire, va retracer votre gestion. Et à l'issue de cette reddition de compte, on sait tous que, bon, étant donné que la gestion est contestée, qu'à un moment ou à un autre, il faudra payer de sa poche, voilà, ce qu'on doit aux uns et aux autres. Donc, Mais il faut déjà rappeler que c'est vous qui vivez dans la concession depuis longtemps. depuis, on n'a jamais été inquiété, personne n'est jamais venu nous demander de sortir de là, parce que, bon, tout le monde connaît la vérité. C'est donc, on va dire, un peu la concession de votre mère et ses enfants. Normalement, oui. Oui, mais c'est ce qui est le principe, c'est celui-là. Oui. Parce que sa maman, selon vos explications, a eu ses biens. Oui, elle a eu ses Que biens. vous n'avez jamais dérangé. Non, jamais. Elle a eu ses biens, mais je tiens à stipuler que elle a contesté, elle a fait une, comment dire, une opposition post-mortem. On est allé au tribunal pour cela. On a, comment dire, montré tous les documents de divorce et mariage de notre maman pour dire que, mais écoutez, c'est bien beau de revenir à la mort de la personne pour contester un divorce qui avait déjà été prononcé depuis plus d'une dizaine d'années. Mais regardez les documents qu'on a, regardez les biens qu'elle possède dans son patrimoine, qui sont repris dans le jugement. Comment expliquer qu'elle se retrouve avec ces biens-là? Point d'interrogation, ben Malgré écoutez, ça, la justice malgré ça, vous la a donné justice, tort. oui. Et elle avait raison. Oui. Donc à Ok. ce Est-ce que jour, vos avocats vous ont expliqué comment, juridiquement, elle a eu raison? bon, comment dire, il y a à boire et à manger. Hein. On subit la justice depuis plusieurs années. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que je vais vous expliquer qui sont pas logiques, mais qui D'accord. se font et qui sont telles quelles et qu'on doit subir, Très bien. Alors, malheureusement. quand on vient, on continue. D'accord. Quand on vient vous Donc demander de, on voilà. va vendre la maison, il faut la reddition des comptes et tout Voilà, ça. la reddition des comptes doit se faire. Personne ne fait appel à cette décision. Donc, un an passe. On voit que notre sœur veut vendre. On lui dit, ben écoute, il n'y a pas de souci, on a le document, on va vendre, mais on a besoin de cette reddition des comptes. Et vous verrez que les quelques images qu'on a eues il y a 2 ans pendant le confinement, à l'issue de où elle parlait du PJ Kissoulet, etc., c'était juste parce qu'elle voulait vendre le bien sans cette reddition des comptes. Donc, quand elle a vu que c'était vraiment la chose qui l'a bloquée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saisit la cour d'appel, la même cour, par voie d'assignation. Donc, je vais citer sous le RC 12 261. Et qu'est-ce qu'elle demande à cette cour? Elle demande, en fait, elle présente une reddition des comptes. Une reddition des comptes qui n'est en rien, en fait, on va dire qu'on ne nous a pas soumise. Déjà, le fait de saisir la cour d'appel par assignation, ceux qui font le droit savent que ça ne peut pas se faire. Qu'il faut un jugement, qu'il faut un acte d'appel et qu'il faut aussi une expédition par appel. Donc, la cour se. Comment dire, elle se. Elle dit qu'elle est saisie. Elle accepte, comment dire, cette demande de notre sœur. Malheureusement, on parle bien de la cour d'appel Matete. Donc moi, je voudrais souligner déjà, en parlant, peut-être que je compléterai pas toutes mes phrases, Parce que mais en vous tout n'êtes pas cas, juriste. exactement. D'accord. Donc on parle de la cour d'appel Matete et on parle du TGI Matete. C'est ce qui fait l'objet de ma visite ici. Cette même cour va rendre sa décision. Mais, comme on dit, un crime n'est jamais parfait, elle va rendre sa décision au second degré. Chose qui ne peut pas se faire parce qu'il n'y a pas eu tous ces préalables-là. Donc, à l'issue de cela, qu'est-ce qu'elle dit? Elle, comment dire, désigne un agent vente. Donc, elle dit, le bien peut être vendu. Elle prend acte de la reddition de compte de notre sœur qu'on ne nous a jamais soumise. Ensuite, que le bien peut être vendu. Donc, le 8 mars de cette année, à notre grand étonnement, on reçoit une notification pour une vente et on regarde la date, c'est le 9 mars. OK. Attendez, un seul jour d'écart? Un seul jour Ouais, d'écart. quelques heures d'ailleurs. Un seul jour, parce que bon, on va dire on a été notifié dans les alentours de 13 heures pour une vente qui va intervenir le lendemain.
sachant que la majeure partie des héritiers ne vivent pas ici, donc certains peuvent décider de venir pour assister à la vente. Malheureusement. Mais on ne vous a même pas donné le temps de vous constituer convenablement. Du tout. Pour assister. Alors, il faut rappeler que vous, ici, vous êtes seule à Kine. Je suis seule avec tous vos frères et vos sœurs sont à l'étranger. Les sept, les six. Les six sont à l'étranger. Est-ce qu'ils ont fait de vidéos? Il y en a qui ont fait? Oui, oui, quelques-unes qu'on va envoyer. Qu'on va suivre tout à l'heure, qu'on va regarder d'ailleurs au cours de cette émission. Et donc, là, vous êtes informé que la maison, votre maison va être vendue le jour suivant. Le jour suivant. Très bien. Donc, il se fait que, étant donné qu'on vient d'apprendre ça, qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de faire une opposition. On fait une opposition qu'on va rédiger la veille, qu'on va soumettre très tôt le matin au niveau de la greffière, déjà, pour contester la vente. Et on va aussi, en même temps, déposer au conservateur pour que toute mutation et toute vente ne puisse pas se faire. Parce que on a constaté qu'il y avait superposition de certificats. Il y avait le certificat de feu notre père qui reprenait juste notre papa et notre maman sans les enfants. Et en 2000, notre sœur fera une mutation qui va reprendre tous les 9 enfants en écartant les mamans et tout. Tous les 9 enfants. Donc, ce qui se fait qu'on est tous copropriétaires. Donc, on fait cela. On présente au niveau de la greffière, mais malheureusement, la vente se fait quand même le jour même pour la somme de 4 600 000 dollars américains. Et de par là, une somme de environ 470 000 dollars sera versée en cash au tribunal. Pourquoi? Ça, on nous a relaté que c'était des frais. Des frais. Mais qu'est-ce que les avocats vous ont dit? Mais écoutez. Que c'était normal? Mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que nous avons même demandé le PV de la vente au niveau de la greffière qui a refusé de nous soumettre le document. Nous sommes même allés au niveau... Elle a refusé, Carmen? Elle a refusé parce que nous sommes allés au niveau, du... Je crois du pénal. Du parquet. Oui, non, du parquet, vous l'avez poursuivi. On l'a poursuivi, ben voilà. Justement. On l'a poursuivi. Elle s'est présentée, je pense, vendredi. Et normalement, hier, elle a soumis le document. Normalement, on devrait avoir une suite aujourd'hui pour ne serait-ce qu'avoir le nom de la société qui a acheté le bien et aussi savoir mais qu'est-ce qu'il en a été de cette somme qui a été versée. 400 000, c'est quand même un grand chiffre. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup d'argent. Oui. D'accord. Donc, à ce niveau-là, nous, ce que nous avons fait, avec le fait que nous avons fait cette... opposition au niveau du CTI de Kinshasa Limité, fait que le nouvel acquéreur se retrouve dans une situation où c'est difficile pour lui de pouvoir faire une mutation. Donc, parce que l'affaire est en conflit, il n'est pas rassuré de pouvoir avancer. Justement, mais que devient le CTI? Parce que finalement, il a en face de lui deux titres, deux certificats, et vous dites qu'on l'a laissé en justice. Exactement. On l'a contraint même d'annuler les certificats. Donc, vu que on va dire que la société en question se retrouve dans la difficulté de pouvoir faire cette mutation, et notre sœur de surcroît se retrouve en difficulté de pouvoir, comme nous tous, avoir les fruits, le reste du moins des fruits de la vente, hormis ce qui a été versé au tribunal, parce que cette société-là veut aussi, entre guillemets, se protéger d'une situation malencontreuse à son égard, chose qui est normale. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle saisit le TGI pour demander, en fait, contre le CTI, afin que celui-ci... Le CTI, c'est le conservateur des titres immobiliers pour les téléspectateurs. Afin que celui-ci puisse annuler les deux certificats en faveur de la société acquéreuse pour que vous ne connaissez pas d'ailleurs la société en question. On ne connaît pas cette société. Donc, pour lui permettre d'avoir un titre, ce qui va faire que cette société-là va libérer les fonds et elle pourra prendre sa quote-part. Ce que nous avons fait une réplique pour tierce opposition par rapport à la décision qui a été, qui a été donnée parce que le tribunal lui a accordé
au CTI de pouvoir, comment dire, annuler ces deux certificats. Donc, on parle de terme de frapper du timbre d'annulation les deux certificats pour permettre, comment dire, que cette chose se fasse. Donc, en gros, si on veut bien expliquer à tout le monde, au commun des mortels, donc ça veut dire que, se sachant bloqué pour pouvoir prendre sa quote-part, elle va user de ce stratagème de connivence avec le TGI, qui elle a saisi de manière individuelle, alors qu'elle devrait le faire avec, comment dire, notre accord à tous ou avec notre consentement, parce qu'on est tous copropriétaires. Donc, chose qui lui a été accordée, et là, il y a une décision. Donc, en ce moment, le CTI peut effectivement faire cela parce que, voilà. Votre plus grande peur est que si le CTI annule les deux titres, la société que vous ne connaissez pas, qui a acheté votre bien, peut faire la mutation. Exactement. Et vous ne verrez certainement peut-être pas la couleur de l'argent, ou vous verrez la couleur de l'argent selon qu'elle voudra vous le donner. Donc, en fait, on va se dire la vérité. Donc, tout ce qu'elle ne veut pas, c'est cette reddition des comptes. Et nous sommes actuellement, comment dire, au niveau de la cour d'appel pour les questions de reddition des comptes. Parce que malgré que cette cour d'appel avait, comment dire, donné l'accord pour cette vente, mais elle nous a dit qu'on pouvait revenir pour les questions de reddition des comptes. Mais malgré le fait qu'on a soutenu à la Cour, laissez-nous d'abord terminer avec les questions liées à la reddition des comptes. Comme ça, nous ferons la vente du bien, parce que la vente n'est pas contestée. La seule chose qui est contestée, c'est la gestion. Et notre sœur, vu qu'elle ne peut pas produire en réalité, comment dire, des documents prouvant sa gestion, se retrouve quand même dans l'inconfort parce qu'elle sait bien ce qui va se passer. Donc, elle devra mettre les mains dans sa poche pour pouvoir payer les uns et les autres. Donc, vu que nous avons constaté que cette cour était contre nous, ce tribunal, ce TGI Kinshasa Matete est contre nous et que nous sommes les bêtes noires de ces deux instances, nous avons décidé de faire une action en suspicion légitime, qui ferait que nous demandons que notre cas soit traité par une autre juridiction. Donc, chose que nous avons faite, et nous sommes en ce moment au niveau de la Cour de cassation pour ce cas-là. Donc, ça veut dire que la Cour de cassation nous a octroyé le document qui s'appelle un donné acte, et ce document-là prévaut du fait que la Cour d'appel ne peut plus doit sursoir au fait le dossier. Donc nous étions le jeudi 14 au tribunal et les avocats ont brandi le donné acte qui fait office de suspensif. Mais étant donné que la cour était surprise, a refusé de prendre en considération le donné acte, qui en disant que ils n'étaient pas signifiés, alors que le document faisait juste le circuit parce que nous l'avions eu, je pense, si je me rappelle, la veille. Donc, pendant que les avocats plaidaient, le document est arrivé entre leurs mains, mais n'ont pas accepté de le faire. Ils ont dit qu'ils renvoyaient l'affaire à la huitaine, donc ça sera jeudi, donc demain, où nos avocats vont brandir le donné acte qui va faire office de suspensif et qui va nous permettre le 29 d'aller à la cour pour plaider quant au fond par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau de la cour d'appel Matete et le TGI pour montrer qu'il y a vraiment un parti pris qui n'est plus qui est là. Les documents le montrent et voilà. Qu'est-ce que vous espérez à la fin? Quelle est la décision qui vous mettra à l'aise? Dans quelle situation vous allez vous retrouver dans vos droits, selon vous? Si le droit est dit, parce qu'on ne cherche que ça, au fait, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, que notre justice dise le droit, qu'il n'y ait pas de parti pris, et que chacun se sente confortable dans cette lecture du droit. Quand vous parlez de la reddition des comptes, de quoi est-il question exactement? Il est question, comme on va dire, tout bien, une société, que ce soit même un commerce qui est tenu par une personne,
doit rendre compte quand même de sa gestion, chose qui est normale puisqu'il y a une décision de justice qui lui a dit que nous t'octroyons cela, mais il faut rendre compte de ta gestion. À l'époque, quand notre père est décédé, l'aîné avait 16-17 ans et le cadet avait 6 mois. Donc, quand vous êtes la grande sœur, vous gérez un bien de mineur, on va dire. Quoi de normal, voilà. De rendre compte. Bien sûr. Est-ce que vous parlez lingala? Oui, je parle lingala. Très bien. Alors, je voudrais dire aux gens qui nous suivent ce que Madame Rama Azali Mwana est ambassadeur fait ambassadeur Tokwaoulu et ambassadeur Tokwaoulu donc à la Kina nous n'avons moi à Sumba Kibama Pango et Bélé et à Tigela Kibana Naye parce qu'il y a Balaki Mosa Libusso Bakaboni n'est que de l'explication à Balaki Mosa Mibale à Tigela Bonya ce bilo donc Dengue mais Sima et Mikolo bah bien au Bango Papa Tika qui il y a Libusso na Mosi Libusso donc baza qui qu'on s'organisait au baté qui baté kaki au batale qui n'ont pas salé qui n'ango et avec au gérant sans qu'on rende compte d'accord bango baté kala qui n'ango bano baté kala qui pour la papa tout quoi ou la boutique bana baté qui bana 9 et que 7 n'a moins si ami balé mi balé n'a moins si ali bosso ce qui fait que au ami balé n'a pas la 7 n'a yon a mis sur baza na poto car maman nous dans un akin chasse na biso nanda ko bavan na maman na bango bazo contraindre bango baté kayango et la mille de toujours la bazo presque en train de voyager et c'était kami déjà mais bango moko baibi moko muto sombité baibi ndenge zo lekate et puis na gestion ya biloko papa ya kala tisiko bazo mona pe pour les nangote nde baki ko saisir justice depuis ba saisir justice tilelo ça va faire plus de 30 ans que vous êtes dans les circuits solution malungu mon na raté et puis ba ndenge ya expliquer biso à vous expliquer mon solo mukuse madame Tokwaoulu tant qu'on a qui n'a nous mutu ya paye paye perdé disons à ce moment là elle était assez toute puissante et moi un beau salaire autrement elle a quitté alors expliquer Bisso n'a pas tout à dire Bisso c'est quoi papa n'a plus de tickets les binous bandaku les lots besoin qu'une justice pour na bandaku moko tout besoin qu'une justice pour la gestion y a bandaku musus ou les binous ou les qui a papa les binous. Merci Monsieur Christian pour la question. Pour le moment, en fait, Tosa na justice pona bien oyo ezo sala officiel limité, donc concession familiale. Tosa pe na justice pona bien mususu. Oui, en fait, ce sont les deux biens etikali, hein, etikali, donc concession y a limité. Na immeuble na Barumbu. Donc wana le cas à Barumbu est dans la juridiction à la Gombe, mais au tozo lobela lelo par rapport à cour d'appel. Oui, à Matete eza oya limité. OK. Voilà. Alors oya limité ni il pose problème. Ne sont mibalé to moko na nokaka. Ne sont mibalé ils ont posé problème. Il y a aussi 4 millions. Que ce pona ko somba. Eza concession, hein. Eza concession à Munene et à plus de on va dire environ 2 hectares. Donc, étant donné position d'ango, place d'ango, superficie d'ango, il y a un des salis qui était camina à bas prix. Mais 4 milliards. Bon, il y a un barombou, pour me noter qu'on a. Si, si, tu as un problème. Bah, t'es équipé déjà? Mais qu'on a, tu as un problème pour changer qui, en fait, maman à bango, a commis ça qui a un mot, y a. Ça veut dire que, bah, l'ongolais, on a patrimoine à papa, et comme il a bien aillé, mon corps, il y a maman, il y a feu maman, il y a ndekonabiso. Donc, alors qu'ils a bien, il y a papa. Ok, donc accessible dans la succession en principe. Mais au Chico, il y a limité. Beaucoup de niveaux au Tekango Dengeni. Bon, tout comme le niveau au Tekango, pour tant que moni que Ezo Simbate, Tozo Kanate, Toke na justice, To Sengi na juge, Ata la problème na biso, Toka Tozo Kanate, Toko Mbiso no Somikolo, Toka Bona. Juge Patali, Alobi, oui, bon, Toka Bona Nabido pour Ozo Kanabido Pete, mais. Pourquoi Ndekonabino a géré qui pendant plus de 30 ans, il faut quand même appeler sa bino pour un papier ou à l'objet que bon, les lots, bon, et Kotaki, en 1989, ils ont quitté, gestion, il faut ça la. Ah, donc, Ndekonabino, vous avez dit, il y a un tando gérant. Ah, bah non, géré, bah bien nyoso. Parce qu'il y a Azalaki nommé comme curatrice, donc il fallait gérer bien mieux ce qui a patrimoine et à papa. Et puis nous allons profiter de l'autre côté. Et l'autre côté. Mais nous allons quand même en d'accord. Oui, nous allons faire d'accord. Pour papa, nous allons faire d'accord. Nous allons faire d'accord. Ok. Donc, mais quand même, c'est, je ne sais pas dire c'est méchant, mais donc nous allons faire d'accord. Et donc, produire bambongo, mais nous allons faire de l'autre côté. Oui, oui, tout le monde aura. Bon. Toi et puis quand tu as un bon écoute, tu as un bon. Tous autres ont un bon, mais tu as un bon. Mais comment vous expliquez, depuis 30 ans,
vous auriez le côté, comment ça se passe? Et puis, est-ce que vous avez la justice? Bien sûr, tu as la justice, tu as le problème de la problème de la donc, ça veut dire que nous avons couru au tribunal, problème de la bise, parce qu'ils ont ça la partie de la succession. Donc, ils ont un problème à l'éloter. Donc, tu as décrit à qui en haut de toutes les manières possibles, la justice, mais. Bon, étant donné que ceux qui m'ontoisent à certaines positions na l'État, l'air au gouvernement et à Kalawana, bon, ils ont usé na ba. Donc, vous avez dit ça que, ils avaient pour la grande sœur Labino, Madame Tokwaoulou, Bernadette, le rôle de la membre filiant, il y a avec membre filiant, il y a PPRD, et quand elle qui mon candidat Snell, vous avez quand même usé la position à Yohana pour empêcher le jugement et dans la faveur Labino. Au fait, tozo kanisate et tozo affirmer qu'ils a bon goût parce que toko pe sa explication mon sauté au regard il y a ba document nyo soto zanango et au regard na il y a titre na biso comme co-héritier, donc ça veut dire que oh nyo so ye zanango droit biso pe tozo na droit moko ils étaient pour azaya ya a rozoa 1000 francs balé qui ba rozoa 500 francs té so qui 1000 francs isa et rozala 100 francs par enfant. Donc, division est cause à l'appareil. Mais nous, vous avez jamais eu d'accessibilité. On n'a jamais eu d'accessibilité. Tu as eu une période où tu as eu une mission diplomatique pour le moment d'un diplomate. Période où tu as eu une classe. Donc, wana et nabano kenekuna na ebise tozan a besoin bongo fouté a biso classe et tout ça. Azo fouté a biso classe à part wana pendant période na fouté a biso classe, c'est tout ce que elle a fait. Mais alors que ezan ningeni, soit par exemple 10 000 dollars ekiti, tozan 9, to photo kaboula 10 000 divisé par 9. Oh, non, so moi na osa nango étalié. Il faut pas que na kende na ebiso fouté la nga classe. Il faut pas sanga mbongo na ngai. C'est un peu ça le problème. Mais donc, pourquoi maman abino zala ki na ba responsabilité en été? Bon, pas moi, si je suis en côté, le col a atteint mon bain à Koufi, il y a un souci à mon bain à Koufi. Azaki a 34 ans, donc Azaki est moins âgé que moi, Lélo. Donc, il y a Azaki qui a Makanisinae, il y a, comment dire, il y a deuil. Il y a Tango, Aza grande fille, à Sengi, bon, pas plus mêlé en mode pour l'année, pour Azaki déjà mon colo. Donc, quelqu'un qui peut remplir ma tâche, nous sommes Mais est-ce que on nous fait une classe à Kataki? Oui, il de mourir avec Kata. Autant avec moi, on a que tous ceux qui ne mignent la justice, bazo bengi sakae, na kandawana akati. Et après ça, sous tétis, Non, ça veut dire qu'après, tu aussi, si ma classe de biso normalement et tout. Et alors, en plus, excusez-moi, on a une bâche ça. Et ça, c'est qu'on a foutu à la nion sur classe. On a foutu à la nion sur classe. Donc, on a grand frère nanga, na leki nanga. Donc, ça veut dire que, azo pesa, et on permet tout au foutu à la classe de biso, tout le temps, on a aurore et tout. Bon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tant que Boyo qui s'engouana, il y a Tekinda Kouana, il y a des possibilités d'avancer, il y a qu'on rebondir? Bien au contraire, il y a des possibilités parce que tu as déjà la situation où, on va dire relativement bien, il y a pas trop de lingé là qui, parce que, na titre, malheureusement, tu as eu car à titre, possession à titre à peine la semaine dernière. Donc, tu as eu à titre, il y a Oya Papa. Mais au Asalaka en 2000, tu as eu la possession de la semaine dernière. Dans le titre, on a 9 copropriétaires. Malheureusement, si on a juge, il y a cour d'appel, au APSA qui a réalisé Liboso, à l'Oba qui a eu le Kanate, Boteka, à chaque maman a eu comme étant bénéficiaire et à 50%. Mais Nengenini, Moutou, au Asana Kata titre T, à cause de 50% il y a bien. Que le cabato a gagné le titre. Donc, même pas 50%, ils ont se faire prévaloir, il y a veuve. Wana ils ont titre Oyo, bah, il y a un bah, il usurpé un mot. Il y a justice. Bon, ma caméra l'est mis. Maintenant, bien, ils ont Wana. Tous les 9 enfants à titre immobilier. N'est-ce pas à cause de 50% pour Aza copropriétaire T. C'est ça aussi, ils ont posé des problèmes. Et ça vous embête. Mais autant que, par exemple, tant que vous pouvez en avoir aussi l'Ito le Babongo, vous changez régime. Est-ce qu'il y a peut-être un espoir que, bon, comme tu as changé régime et qu'il n'est plus forte dans le régime, espérons qu'un régime ou bien Sika, on peut retrouver sourire en abisso. Ça vous est arrivé, non? Oui, tout? Bien sûr, hein, parce que tant que qui est état de droit, tu as dit, ah,
au moins un président Oyo Azo Sala de l'état de droit de la justice pilier il y a comment dire il y a mandat naïe. Malheureusement, vous êtes désillusionné un peu. Malheureusement. Trois ans après, malheureusement, les mêmes pratiques, les mêmes résultats. Vous espérez ni exactement. Namarambo tout ok non. Vous espérez ni. Bon, comme je le disais, Ningabaloba avant, pour Saint-Abisso, ce qui est justice et dire droit correctement. Mutuna mutu arozana kimia. Surtout, babiso le quoi tu dis que tu as la vérité, tu arozana kimia. Mais que de l'autre côté, et qu'au déranger pour machination ana, eza elo quoi les loter. Eza elo quoi eza bien préparé depuis une trentaine d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vrai que les loto télémi, on va pas dire que tu t'es mis à trop tard, parce que justice eza karawana. Justice est qu'au qu'au trancher toujours. Mais ils en a moins circuit moroboué. Lors moroboué c'est Fanda déjà. Ils a qui déjà bien préparé, bien initié, bien fait. Donc bisotoyé les lots pour n'aco casser un repos. Tous en a besoin. Comment dire justice et ça la moussala naé. Ils a la équitable. Parce que ils a rôle il y a justice et rosanaï équité. Est-ce que vous autres connaissez qu'il y a corruption, topé achat, il y a conscience, il y a certains magistrats. Na certains juges na dossier oyo bon nous avons péché bino bo s'en sortir bo tirer au clair mon abino bon personnellement na koki ko affirmé wanate po nazaki présente te soke loko et salemaki nazalaki wanate mais le nyos na ko loba c'est que au regard il y a makam nyos ningezo lekela mutlam tu azo ba conclusion nae mais nga na ko affirmé le côté donc alors voilà. Bouquet la justice non mais malopan oyo bouquet la justice mais on dit que CTI va bengier va contraindre à annuler dossier expliquez monsieur placement de lingala ah bon si quoi tango bien été Camille 4 600 000 dollars va frais à justice et pesami environ 470 000 mon toi sombi yé alinga changer va document avec okuta biso to suite au kendaki ko comment dire qu'au sein l'opposition ah si quoi il a comme une situation mais ma comment on y n'est allé car on a besoin na na position et loco n'anga qu'on a sommé ango ah tant aussi quoi est comme bongo et tout il est n'est qu'on a besoin na n'engé à mesana na ba pratique na yé akanisi a dit bon il faut na ça là boy na qu'est na justice na comment dire ça la comment dire assignation pour na ba bingi sa CTI wana pour ba yibi sa CTI a annuler ba certificat de son balé donc aké na ngona ningi na yemoko ça veut dire que to zana ye partité donc aké individuellement vers le TGI pour na asengango TGIP et lobby bon ok bon mais comment TGI selon Bino a accepté des requêtes il y a moutons en cas de masse de façon individuelle et pas batonios bon allez-y comprendre hein? Allez-y comprendre est-ce qu'un rapporteur il y a la procuration à Bino du tout mais ça on a ndenge naye et le problème c'est que TGI na cour d'appel bazo simena mboko bazo aider à ça la union soya lingi et vous pensez que c'est pour la raison pour laquelle bolongo la dossier kuna bokel en place sous exactement il y a mon état automonique suspicion légitime voilà tant automonique ah ningeni bango baso keneka na ndenge naye alors que normalement makamesa les marabongo tetobite tolongo esika oso dosa a besoin vraiment justice c'est ça musa na nango na équité tolongo na esika wana toke na juridiction musu comme ça juridiction musu eta la biso problème ango et kata makama ngo na équité nyoso ba garantie ni boza ngo ki na place pino boke boza solution boza gain de cause il faut se dire la vérité monsieur Christian on a que la justice donc aujourd'hui tokoloba onos tokoloba justice est mal mena biso et ça la biso boye et ça li biso boye o boye mais si quand on reconnaît ce soir, ce qu'ils n'avaient pas justice soit naté, tout ça qu'on est obligé de reconnaître par la banque. Donc, on est obligé qu'on réitérer foi en Abisso envers cette justice. Mais Madame Tokaoulou, elle donne l'impression d'être une femme de paix, conciliatrice, celle qui
gère en toute transparence, ainsi de suite. Mais ce que tu nous racontes sur elle, ils ont dépassé les autres terriblement. Bon, malheureusement, la réalité, la vraie réalité à Makamo, Eza O Nazo Ipsabino, Moutouako paraître Nami Sabatou comme Néo décrérié, mais réalité Eza Bongoté. Par rapport à Binazani, bon, Aza grande sœur Nanga, ça veut dire que Nako Boya Kosola n'a été sur une amonie. Mais na koloba vérité, la dernière fois na monaye, en plus Ezaki pe comme par hasard, Ezaki en 2007. C'est la dernière fois nga na monaye. 2007. Après 2007. Après natika comme on a été, de toute façon to koloba vérité hein, toza na bayaya o balingi bisote pour ba manifester des amours wana depuis que toza ba amiké. Donc est-ce que vous pensez que situation rose à la égaux à la autrement ceux qui boucanent qui ont la famille est-ce que Botanta qui va arrangement à l'amiable en famille sous les manguiers sous les tout ça est-ce que vous ça là qui entente d'abord en famille oui bien sûr hein, parce que avant qu'on commence la situation tout ça va bon tout tolingaka surtout na kombo à papa Nabiso tolingaté to boaka mon pâturage donc on a essayé hein on a essayé na ningenyo stokokaki mais malheureusement soki boza en face na bino mutu ozala de très mauvaise foi ou alingé loko posa na ezaka ezala bongo malheureusement voilà toza ba situation toza na ngolelo toza obligé to bima de l'ombre pour na to décrier situation wana donc mais c'est vraiment quelque chose auto meka ko bombango le plus possible ezala laver le linge sale la famille mais en bité. Famille mais aussi mbaté mais bino singa peut-être un peu trop tambo singa pour na clarté na dossier lopango na bino mais en même temps bo singa reddition est-ce qu'il y a un autre nous freiner situation peut-être parce qu'il y a un mitou mais c'est plutôt qu'il y a la reddition c'est qu'il va aux sous la poche nanga pour aux sous la côte par nanga est-ce que vous trouvez pas que Bouddha le besoin leur dire tâche pourquoi n'est pas si limité je sais pas car quand le pas on a bien besoin on a bouté qui au kabouli montant à Bendani mais pourquoi vous insistez sur la reddition des comptes oui et ça peut possibilité hein nengo le biwana et ça peut parmi ba solution ego salema mais il faut savoir que papa Abisso a koufa ki atika Abisso ba amike d'accord donc on a grandi avec ce problème. On a toujours tokola lango. Donc au bout d'un moment, tout ça a besoin il y a justice. Parce que justice on est qu'on permettre bisoto oublier. Bon, qu'on puisse faire le deuil complètement. Exactement. C'est exactement ça. On puisse faire le deuil de notre père une fois pour toutes. Très bien. Alors, donc, on va terminer cet entretien, mais avant de le terminer, aujourd'hui, vous êtes au niveau de la Cour de cassation. Est-ce que vous avez un message à adresser aux autorités judiciaires de ce pays? Est-ce que vous avez un message à adresser peut-être au ministre de la Justice, qui est le chef des tutelles de la question, le président de la République, bref, les autorités de la République? Parce qu'en ce moment, on a comme l'impression que vous avez besoin d'une autre main. Parce qu'avec vos mains, vous n'arrivez pas. Avec tous les éléments de droit que vous présentez, vous n'arrivez toujours pas. Vous avez besoin certainement d'un boost de l'extérieur, un peu comme si vous vous battez avec quelqu'un de plus fort que vous. Qu'avez-vous envie de dire tout de suite? Merci pour la parole, monsieur Christian. Déjà, ce que je peux dire, c'est que on se bat avec un système qui est mis en place, un système qui normalement doit être juste, mais qui ne l'est pas. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que le droit soit dit, qu'il ne soit pas dit en faveur de l'un ou de l'autre, mais que le droit soit simplement dit, pardon. Donc, nous demandons, nous invitons, madame la ministre de la Justice et notre président, monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui pour lui, l'état de droit est un pilier de son mandat, de pouvoir regarder le cas de notre dossier. C'est vrai que c'est une prétention de demander à notre président qui est sûrement occupé avec des dossiers plus importants. Mais notre cas de succession, c'est un cas qui dure depuis plus de 30 ans. Et il y a eu
trois présidents qui sont passés avant, mais aucun d'eux, aucune de leur justice a pu terminer ce problème. Mais aujourd'hui, on a un président qui, pour lui, l'état de droit, voilà, est ce qu'il est. Et ce dossier-là peut faire office aussi, on va dire, d'un des dossiers phares aussi, qui peut terminer lors de son mandat. Donc, mon souci et mon adresse, ce serait beaucoup plus que ce dossier soit regardé en ce sens-là. D'accord. Et vous demandez, bien évidemment, au juge de la Cour suprême. Bien sûr, de dire le droit, la Cour de cassation. De cassation, mais surtout le président du Conseil supérieur de magistrature qui, lui, regarde l'éthique des magistrats, parce qu'après vous faire traîner longtemps. Mais alors, on va terminer. On va faire passer les vidéos de vos frères et de vos sœurs. Bonjour, je m'appelle Tokolo Lelo Manu. Je suis un des fils du feu ambassadeur Tokolo Batale. Et je fais cette petite vidéo pour souvenir notre petite sœur qui est là-bas, Kinshasa, qui nous représente face à Tokolo Aina Bernadette, qui était anciennement ADGA de la SNEL, dans l'affaire qui nous oppose. Ça fait depuis le décès de notre père, où nous étions encore mineurs, elle s'est accaparée, elle qui était majeure des biens familiaux, et elle les gère de manière unilatérale depuis toutes ces années, et aujourd'hui elle essaie de les vendre encore une fois de manière unilatérale depuis toutes ces années. Nous sommes dans les procédures judiciaires face à elle depuis toutes ces années, et donc voilà, aujourd'hui on arrive à un point où elle instrumentalise la justice pour avoir ce qu'elle veut, et voilà, c'est ce qui est intolérable. Donc nous demandons à ce que la justice soit faite, que le droit soit dit, aucun privilège. Donc voilà, c'est une vidéo en soutien à notre petite sœur. Merci. Bonjour à tous, je me présente, je suis Tokaulu Amina, je suis une des sœurs de Tokaulu Rama. Je fais cette petite vidéo pour dire que derrière Rama, il y a d'autres enfants qui sont là et que nous sommes tous avec elle dans cette démarche qu'elle est en train de faire. Merci pour tout. Nous espérons avoir une suite favorable de l'État par rapport à tout ce qui se passe et que la lumière soit faite devant toutes ces situations si compliquées. Si compliquées pour nous parce que c'est une histoire qui date de plus de 30 ans. Nous étions très jeunes, très petits, maintenant nous sommes âgés et nous voulons voir un résultat qui sera vraiment positif, quoi, devant la loi, devant Dieu. Merci à tous. Donc, bonjour, je suis Tokolo Balongo, je suis donc un des frères de Rama. Confirmer que je suis tout à fait en accord avec les démarches qu'elle est en train d'entreprendre et surtout souligner que c'est une démarche qui est faite en toute concertation avec toute la fratrie. Donc c'est une démarche que nous faisons tous malgré que nous ne sommes pas tous là présents au Congo. Donc c'est vraiment juste pour réitérer ce fait-là. Ce n'est pas une démarche qu'elle fait unilatéralement de son propre fait. Donc nous sommes tous en accord avec ces démarches qu'elle est en train d'entreprendre actuellement dans le cas de ce dossier. Encore un grand merci. Et quels sont les dossiers que vous avez là ou les références que vous avez comme ça pour aller voir? D'accord. Donc déjà je peux citer l'arrêt. Donc RCA 11-210. Donc c'est cet arrêt au niveau de la cour d'appel qui ordonne la reddition des comptes, en fait la vente du bien, mais au préalable une reddition des comptes. Ça c'est parmi les premiers arrêts. Ensuite on a cette assignation que notre sœur a fait au niveau de la cour d'appel pour assignation sous RCA 12-261. Donc c'est cette assignation qui donnera lieu à cette décision comme quoi un agent de vente est désigné pour la vente publique du bien. Alors, il y a un autre document, c'est
Vous avez l'autre document? Oui, j'ai d'autres documents. Donc, j'aimerais aussi rajouter le RR3861. Donc, c'est le document en fait, qui atteste que nous sommes devant la Cour de cassation. De cassation. Pour ce qui est de notre demande. La prochaine audience, c'est quand déjà? C'est jeudi. Demain, au niveau de la Cour d'appel. Et à cette issue, on présentera le donné acte qui va sursoir toute audience au niveau de la Cour d'appel, le temps de nous laisser le temps de pouvoir plaider sur le fond au niveau de la Cour de cassation le 29. Très bien. Alors, merci beaucoup, Madame Tokaoulou, dans l'espoir que vous aurez gain de cause. Tout ce dont vous voulez, c'est être réhabilité dans vos droits. Exactement. Et puis, je pense que c'est tout à fait normal que vous puissiez poursuivre ce but. Espérons que les autorités vous entendront et qu'ils vont essayer d'ouvrir l'œil et le bon dans ce dossier afin de vous remettre dans vos droits. C'est tout ce que nous souhaitons. Avez-vous un mot à dire? Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu. Et j'espère que notre justice va enfin trancher équitablement ce qui concerne notre dossier. Mesdames et messieurs, c'en est fini. C'est un grand plaisir de recevoir Madame Tokaoulou qui parle à cœur de leur affaire, de leur dossier. Et je pense que les autorités ont été donc interpellées pour trouver des solutions à ce genre de questions. Mais ne vous en faites pas, en dehors de Madame Tokaoulou, il y en a des milliers comme ça qui n'ont peut-être pas la voix de parler comme elle, mais il y en a beaucoup qui continuent à souffrir dans ces conditions-là. Si on peut finalement ouvrir je parle d'une commission qui pourra bien voir ces choses, vous allez voir que beaucoup de familles pourraient être soulagées, beaucoup de personnes pourraient donc être en mesure de faire calmement le deuil de leurs parents, et puis les choses iraient mieux. Merci de nous avoir suivis, je vous retrouve très prochainement, qu'il y a la paix dans vos esprits, et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la Loye Mbolo Nende Yalisa.